Ever since I left the city, you. Jasmine. J'ai eu peur du jugement des autres. J'avais peur de secondaire 5. J'avais peur qu'il y ait des dealers de drogue qui se promènent dans les corridors de l'école. J'avais peur qu'ils m'obligent à acheter de la drogue puis en prendre. De me perdre. J'ai peur de me perdre. De pas faire d'amis. De pas me faire d'amis. De me faire rejeter. J'avais peur de pas être capable d'ouvrir mon cadenas puis d'être en retard dans tous mes cours. Le nombre de cours. De manger toute seule. Au début, on a peur, mais pour aucune raison. Cette journée-là, les profs avaient décidé de laisser le jardin ouvert. Fait qu'un ami, l'écureuil, ben, il est venu nous visiter dans l'école, puis il m'a couru après. Et ben, je me suis fait chicaner parce que je courais dans les corridors. Peut-être tomber dans le lac, quoi. Crédibilité réelle. Regarder le monde tomber sur la glace dehors, c'est tout le temps drôle, là, en hiver. C'est sûr que maths, chimie, physique, c'est les intérêts de la science, actuellement. France en a besoin, anglais. Éthique, éduque, non, être obèse, ok. Je pense qu'il n'y en a pas d'inutiles. Il y en a des moins intéressantes, là, c'est certain. Là. Éthique. Éthique et culture religieuse. Ah, ouais, clairement. Pour les maths, là. 1 plus 1? 2. C'est une question de point de vue. Je suis sûr qu'il y a du monde qui trouve ça bien utile, ça. 1 plus 1? 2. J'ai calculé! Quand t'es dans les rangées de casiers, tiens-toi pas sur le casier d'une autre personne. Les couples qui s'embrassent sur les casiers des autres, c'est pas agréable. D'arriver peigné à l'école, c'est toujours important. Un mur invisible entre la salle F et la salle G. Définitivement. Limité, là, genre la garderie versus comme l'autre garderie un peu. Là. Dans les autobus, les secondaires 1 sont en avant, les secondaires 5 sont en arrière. Pas leur place. Là, c'est à mon tour. De pas se promener avec sa boîte à lunch dans les mains. Puis de faire ça de même, là. Mettre sa boîte à lunch dans son sac. Je tiens vraiment comme l'intégration de tout le monde. Si t'intimides quelqu'un, t'es expulsé du Québec, genre. Intimidation, c'est non. Donne-moi une idée. Non? Oh. On a un beau secondaire, je vais te dire. Niaiserie, attends, là, pour vrai, j'en ai fait, là, des niaiseries. Je sais pas, moi. C'est quoi l'autre question? Ben, en secondaire 2, je me souviens, on montait en haut des classes, puis les profs, les matins, ils vont dans leur classe, puis ils laissent les portes débarrer. Fait qu'on allait écrire des choses sur les tableaux. On fermait la classe puis on partait. On a été dans la toilette et on a marqué comme quoi que toutes les toilettes étaient hors d'usage. Non, je peux peut-être mieux partir. Quel on change de sujet, le voyeur. Mon plus beau souvenir, c'est... Je pense vraiment que c'est mon année de secondaire 3. Mais je pense que mon plus beau souvenir, ça va avoir d'avoir fait site en musique. Je pense que ce sera en secondaire 3. Quand j'avais fait le site en spectacle avec mes amis. Concentration sport. On voyage humanitaire à Haïti. Ouais. Équinox. Genre juste là, j'en parle pis j'ai encore les... Les uniformes. De pas pouvoir s'habiller comme on veut. Uniforme. C'est là l'uniforme. Ouais, on peut montrer nos épaules. Prenez aux gars à bien vivre à place de dire aux filles de se cacher. Ouais. Oh, pas se tenir entre tes deux. Oh. Sont tous stupides, là. Silence! Ferme ta gueule. Arrête de parler. Florence, ferme-la. Chante, arrête de parler. Laura, ferme ta gueule. J'ai la misère à rester en silence. J'ai trop d'affaires à dire. La troisième étape compte pour 60%. Fait que force-toi dans la troisième étape.
tes devoirs. Lève tes pantalons. Fais ton examen. T'es petite. Concentre-toi. Que les matières les plus importantes, c'est maths et sciences. Marie-Lou, t'es assez belle. J'assume que t'es avec Marie-Lou, t'es vraiment plus belle. Passer mon français. D'avoir toutes les matières de 5 en secondaire 5. Mais chimie, physique, maths fortes, travailler, conseil des élèves, faire trop de comités. Passer mon secondaire 3. Yay! D'avoir développé mon côté artistique. Être moi-même. Mes amis. Jasmine, Sophie, Émilie, Samia, Marie-Lou, puis Marie-Lou. Madame Barbeau. Monsieur Médard. Monsieur Roson. Ah yo, Monsieur Cabouche. Madame Chincra. Aoshine. Madame et ta mère. Ah, ben, il y a Stéphanie. Monsieur Grégoire, yo, shout-out to all the boys. Ouais, parents, tout le monde, là, tout le monde qui m'entoure. Mon meilleur prof, là, je pense que c'était Monsieur Sardi. C'était dans le temps qu'il avait sa barbe de Darth Vader. Moi, je l'aime, Monsieur Martel. Salut, là. Sandar 2 à Sandar 4, ça serait Clara Leduc. C'est F. Charrette. Mes parents. Et moi, ça serait ma mère parce qu'elle m'a toujours poussée pour être meilleure. Puis elle m'a aidée dans des moments difficiles. Puis elle était tout le temps là pour moi. Bonjour à tous, je m'appelle Sam Goudjil. Mon nom, c'est Charlotte Durocher. Mon nom, c'est Philippe Mann. Ben, moi, c'est Gabrielle Goudjil. Amishka Sendialiana. Claude Lettier. Émilie. Je m'appelle Marvin Granados Perez. Mon nom, c'est Daliane Johnson. Dali Johnson. Et moi, c'est Amélie. Moi, c'est Achane. Et moi, c'est Alexandre Germain. Daphné Lalonde de la Roque. Bonjour, je m'appelle Antoine Arline. Moi, c'est Savannah. Moi, c'est Megan. Je m'appelle Marie-Ève Doyon. Je m'appelle Laura Pajot. Je m'appelle Antoine Seguin. Moi, je m'appelle Nesrine Roquet. Florence Marie. Mon nom, c'est Colin Dragon. Charles Levelle Lalonde. Je m'appelle Dominique Chénier. Bonjour, je m'appelle Élodie. Je m'appelle Alexandra. Ben, moi, je m'appelle André-Frédéric Tremblay. Moi, c'est Milouin. Danaï Ménard. Ici, Samuel Langlois. Je suis Diane Brasse. Je m'appelle Duken. Moi, c'est Stéphanie Portalance. Naila Simafoul. Moi, c'est Sandrine. Campo. Puis, j'ai pas les yeux rouges, j'ai rien d'habitude. Je voudrais remercier votre belle cohorte de secondaire 5 qui m'a vraiment fait un bel accueil quand je suis arrivée à la moitié de l'année en janvier. Vraiment, vous êtes une belle cohorte. Puis je vous souhaite beaucoup de succès dans les années futures qui arrivent. Je vous souhaite toutes les bonnes chances du monde. Ça a été un très grand plaisir, n'est-ce pas, de vous avoir dans mes cours, de vous avoir à l'école, de vous rencontrer dans les corridors et vous allez beaucoup nous manquer. En tout cas, bonne chance à tout le monde. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même, que vous acceptiez qui vous êtes. Puis si vous réussissez ça, bien, votre vie va être super belle, j'en suis certaine. Alors, au revoir et bonne chance à tous. Conservez votre créativité et de l'exploiter au maximum tout au long de votre vie. Gardez votre motivation et votre Wi-Fi allumé. Merci et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous enseigner les mathématiques. Et... N'abandonnez pas au premier essai. Souvent, ça en prend plus qu'un avant de réussir. Puis c'est dans les échecs qu'on apprend. N'oubliez pas de garder la lecture au cœur de vos vies. Bravo à tous! Un grand penseur disait que l'éducation, c'est la liberté. Alors, je vous souhaite de poursuivre au-delà de vos aspirations et que vos choix futurs vous animent tout autant que ceux de votre parcours au secondaire. Bonne chance et félicitations à tous. Je vous souhaite de continuer d'être créatif, continuer d'être débrouillard, de réparer vos affaires puis de penser à ce que vous avez appris avec moi. Bonne soirée. Il n'y a pas juste une façon dans la vie de réussir. Il n'y a pas juste un chemin à prendre pour aller vers notre objectif. Mais c'est très important aussi de réussir sa vie. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite la meilleure des chances. Soyez fiers de vous tout le temps, s'il vous plaît. Prenez les décisions pour rester fiers. C'est sûr que vous allez avoir besoin des mathématiques un jour. Ciao. Souvenez-vous que la vie, c'est pas un sport de spectateur. Je peux-tu enlever ça? Tu diras pas, hein, ça? Ok, c'est bon. C'est-tu correct si je prends un peu? Ah ouais, y'a pas point. Okay. J'ai-tu des temps de réflexion entre? Ok. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais. Yep. Ouais.
Ouais. Tu me mets ça dans ton vidéo, hein? Attends. Tu sais avoir un Oscar pour ça? C'est John Abbott, il faut l'avoir. Que ton rêve soit d'être une princesse. De devenir un super-héros. De suivre les traces de tes parents. Ou bien d'épouser un homme riche. L'école, c'est important. Oui, tout le monde te le répète. C'est là où tu apprends les connaissances générales. Tu t'en préoccupes pas plus qu'il faut en ce moment, mais... Tu as besoin de ça pour ton futur. Parce que tu sais, l'école, c'est important. On le sait que c'est dur de se lever pour aller à l'école le matin. Que t'as pas envie de faire tes devoirs après une longue journée de classe. Que tu aurais préféré ce prof au lieu d'un autre. Mais qu'est-ce que tu veux? L'école, c'est important. Il y a le manque de chauffage. La climatisation existante. Et les règlements qui te tapent sur les nerfs. T'es pas obligé de le répéter, la direction est au courant que ça fait pas ton affaire. Mais t'es obligé d'endurer. Parce que l'école, c'est important. Même si t'es à bout pis que t'es fier que ce soit finalement terminé. N'oublie pas qu'au secondaire, c'est là qu'on se découvre. Qu'on peut trouver nos meilleurs amis. C'est dans cette période que tu vas faire tes premières expériences. Certains vont vivre leur premier amour. Faire de belles et de moins belles rencontres. C'est là qu'on se crée des souvenirs inoubliables. Et pour plusieurs, ça sera la plus belle période de leur vie. Maintenant que tu es accepté au cégep, à ton DEP ou à ton année sabbatique, n'oublie pas que l'école, c'est important. But if you close your eyes.